La question qui pique. Que faudrait-il pour que tu sois la bombe sexuelle que tu es réellement? L'énergie sexuelle ne sert pas que à faire l'amour. C'est aussi l'énergie de vie, l'énergie qui circule en nous, l'énergie qui nous maintient en vie, qui alimente notre feu, qui guérit aussi. C'est une énergie de création, une énergie merveilleuse. Et souvent, on l'éteint. Ça peut être pour plein de raisons. Des abus qu'on a reçus, pas forcément sexuels, mais aussi peut-être physiques, émotionnels, psychologiques. Et du coup, on n'a pas envie que les gens puissent sentir cette énergie chez nous, qu'on puisse attirer les gens de cette manière-là, parce que ben, ça nous fait peur. Si vous incarnez pleinement la bombe sexuelle que vous êtes réellement, vous n'êtes plus dominé. Vous êtes dominant sexuellement. Ça ne veut pas dire que vous aurez envie de faire l'amour avec tout le monde ou je sais pas quoi. Ça veut simplement dire que vous ne serez plus l'effet des gens qui dominent eux avec cette énergie-là. Il y a une histoire de puissance aussi. Si je suis dans le plein rayonnement de mon énergie sexuelle, mais qu'est-ce que ça va créer? Quelle puissance je vais dégager? Est-ce que vous avez peur de votre puissance? Avez-vous peur du désir que vous pouvez susciter? Et quel jugement avez-vous sur les gens qui vous désirent? Baissez vos barrières et vos jugements. Si vous désirez aussi, tant mieux. Si vous désirez pas, tant pis. Je vous souhaite une bonne exploration.